Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais aussi vous relater un fait qui a lieu dans la nature et qui nous en apprend beaucoup sur la nature, mais aussi sur nous-mêmes. Vous savez, il y a quelques années, dans le Carmel, il y a eu un incendie dévastateur. Le Carmel, c'est dans le nord d'Israël, vers Haïfa, et c'est une forêt où il y a énormément de pins. Voilà. Et en fait, malheureusement, quand il y a eu cet incendie, toute la forêt a brûlé. Et donc, évidemment, on était désespérés. Comment ça va jamais repousser? On n'y croyait plus. On s'est dit, c'est fini, c'est terminé. Voilà, les pins qui étaient là ne seront plus jamais là. Et finalement, on a été surpris de voir que les pins ont repoussé bien plus vite que d'abord prévu. Et ont repris vie. Et on s'est dit, d'où vient ce phénomène? Comment a eu lieu ce phénomène, finalement? Et en fait, ils se sont aperçus que les pommes de pin qui étaient tombées, alors il y a plusieurs ça, il y a les pommes de pin qui tombent, qui sont déjà ouvertes et qui lâchent leurs graines, d'accord, au printemps. Et il y a des pins qui tombent de l'arbre, mais qui restent fermés. Et ils peuvent rester comme ça des années fermés, ils sont comme ça, même le sol fermé. En fait, ces pins fermés, on pourrait penser finalement qu'ils ne nous servent pas à grand chose, eh bien, ils nous servent justement à perpétuer la survie de l'espèce. Comment ? Eh bien, ils sont, à partir du moment où c'est un état d'urgence, donc un moment de grande sécheresse, un moment d'incendie, eh bien là, ils s'ouvrent et ils lâchent leurs graines. Et c'est ce qui permet la survie de l'espèce. C'est ce qui se permet de reprendre vie. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux comme la nature est programmée, comme c'est fait justement pour ne jamais, jamais se laisser détruire, ne jamais disparaître finalement. Et en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on doit être conscient de cela aussi. Parfois, c'est dans les moments les plus durs, les plus éprouvants pour nous-mêmes, qu'on va justement trouver à ce moment-là un instinct de survie insoupçonné qui va nous donner des forces et qui va nous aider finalement à nous reconnecter véritablement à nous-mêmes et à remonter la pente. Parfois, on n'y croit pas. On se dit comment remonter après cela? Eh bien non, justement, au fond du trou, Dans l'obscurité la plus totale, il y a une lumière au fond de nous qui va revivre et qui va nous aider justement à reprendre des forces et à reprendre vie. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.